Hey, salut tout le monde, c'est Mentalis. Et aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved. Et aujourd'hui, nous naviguons. Nous utilisons notre magnifique bateau pour aller vers une destination lointaine. En fait, il se trouve que en live, donc j'ai commencé en fait à me faire mes outils en fer. Et il se trouve aussi que, du coup, bah, maintenant j'ai besoin de les réparer parce que je les ai bien utilisés. Et après quelques recherches sur le net, je me suis rendu compte que du fer, on en trouvait à peu près partout, mais en quantité intéressante, bah, pas partout. Vous voyez la petite île sur laquelle je me dirige, donc qui est tout en bas à droite de la map. C'est une île sur laquelle apparemment il semblerait qu'il y ait du fer. Donc du coup, je vous retrouve là-bas, hop là, une fois arrivé, donc à de suite. Et donc on se retrouve ici, alors je vous montre où est-ce que je suis sur la map, hop là, voilà. Donc juste au sud de l'île, il semblerait donc que ces cailloux soient riches en fer. Donc écoutez, on va voir ceci. Ça se voit pas trop, hein. Hop là, alors celui-là... Alors, rappel, tous les cailloux plus sombres que les autres, donc celui-ci en fait en fait partie, ont plus de chances de goûter du fer. Les outils en fer permettent d'avoir plus de fer, et vous voyez que même là, c'est vraiment pas la joie. Il est où le fer là? Oh! Ah! Il semblerait que ce soit que des herbivores. Voilà, que des herbivores, donc logiquement, je suis censé ne rien craindre si je ne les attaque pas. Wow! Ok, c'était très le freeze, j'ai eu très très peur. What the... T'es quoi toi? M'attaque pas. Un stégosaure. D'accord, niveau 21. Ok. What the... T'es quoi toi? Un ankylosaure. Waouh, ok. Donc effectivement, il y a un peu de fer ici. Mais ça reste pas énormissime. Hein, Alors je sais que dans les grottes, il y en a, mais les grottes, c'est mort. C'est mort parce que c'est beaucoup trop costaud ce qu'il y a dans les grottes. J'ai tenté de faire une expédition en live et bah ça s'est pas super bien passé. Hein, j'ai rien pu miner puis j'ai vu des mobs un peu costauds. On va pas tarder à avoir faim. Mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à ramener un stock de baies. What? Oh, et ce caillou il a une drôle de couleur. Oh! 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 Oh, je t'aime! Oh, c'est génial! Du coup, je te termine à la... Non, d'accord, ok, faut éviter. Ok. Bah, du coup, en fait, ce que j'ai... Voilà, j'ai une super pioche en pierre qui devrait m'aider, normalement. Attends, on va essayer juste de faire en sorte de pas mourir de faim. Ce serait quand même ballot. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc il faut vraiment juste la pioche en. Ok. Ok. Eh bien écoutez. Ouais, celui-ci aussi il doit en looter. Bah, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse, ces gens. Et je vais aller chercher du. Je vais réparer ma pioche en fer. Hop là, donc je reviens. Tout de suite. Ouais, en fait, changement de plan, je me dis tant qu'à être là. Ce serait bien de pouvoir essayer d'en profiter pour... Non, d'accord, c'est machin qui fuit. Et l'autre là? Il est où? Là. Bon, je vais essayer de pas trop chercher les bestioles. Mais toi là, le machin... Le machin immense qui a l'air cool. À chasser. T'es quel level? 21. Et toi, le tricé qui a l'air faible, t'es quel level? 1. Ben voilà. Stop, attends, avant de t'attaquer. T'es pas en couple. Ah, et toi, le machin qui a l'air génial? Level 11, ouais, bon. Ah, lag serveur. C'est les choses qui arrivent.
Ouch. Ok. Allez. Bon, et voilà. C'est nickel. Voilà. Hop là. Et toi, va te piocher. Voilà. Voilà, parce qu'on n'a jamais assez de pots dans ce jeu. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que je te tente, toi? Toi, tu m'as dit, t'es quel level? Level 21? Mob inconnu, level 21! Je te défie! T'es agressif, ok. Hey, c'est que ça s'est bien passé. Voilà. Non. Nickel. Ouais, du coup, les amis, on se retrouve un peu plus tard. Et on se retrouve un peu plus tard. Là, j'ai pu tout réparer. Je me suis refait des flèches au cas où. Enfin, on va quand même essayer de pas défoncer tous les mobs qu'on voit. Ah. Bronto. Ah, voilà. Lequel que je cherche est là. On va essayer de pas énerver le Bronto. Ah, est-ce que c'est lequel que je cherche? Je sais pas. Ils étaient où les... Oh, tiens, oh, j'ai reçu un mail. Ils étaient où les cailloux tout à l'heure qui étaient intéressants, là, qui brillaient? What the... Oh, il y a un dauphin. Ah, toi, par exemple. Toi, t'as un caillou à faire. Voilà, c'est cool, ça. La vache, en tout cas, on en récupère vraiment beaucoup, hein. Très très content. Alors, initialement, je voulais aussi m'installer sur cette île, hein, j'en avais entendu parler, l'île des herbivores. Mais en fait, il se trouve que je regarde un petit peu les lives d'Alex Click, en fait, qui est un excellent streamer. Je vous invite à regarder ce qu'il fait. Et à un moment, en fait, il avait commencé à s'établir sur cette île et il a eu un accident de type brontosaure, mais genre brontosaure tout le temps, quoi. Le brontosaure le lâchait pas, il spawnait en boucle. Donc du coup, ouais, je me suis dit que c'est peut-être une très mauvaise idée. Ouais, non, toi t'es un caillou normal. Non, toi t'es un caillou normal. Ah, le problème, c'est qu'en fait, avec ma luminosité chelou là, avec la luminosité de la zone, j'ai du mal à identifier les cailloux qui sont récoltables. Désolé, j'ai fait caca, m'en voulais pas. Ah, nice. Ah, encombré, génial. Ok, on va rentrer au bateau. Ah, je me suis refait aussi donc des flèches et réparer l'arc histoire que je puisse chasser un petit peu sur l'île. J'aimerais bien me refaire un petit bronto là. En 1 contre 1. Parce que la fois où on l'avait fait avec Kaito, voilà, on était deux puis on était mort plein de fois. Là, je suis sûr avec l'arc ça passe crème. J'aimerais bien aussi, d'ailleurs, hop, vous savez quoi, on va essayer de regarder. J'aimerais bien essayer de voir si je peux faire des flèches tranquillisantes. Mais oui, je peux. Voilà. Nickel. Alors, du coup, faut retrouver mon bateau. Il doit être quelque part. Écoutez. Il est pas là-bas? Il doit être là-bas. Il n'y a pas des trucs dont je peux me débarrasser. Nah. 63 de métal, la vache, j'en ai jamais vu autant au même endroit, quoi.
Et je me demande, est-ce que c'est pour bientôt, hop, point disponible, les armures en métal? Parce qu'en fait, ici pour bientôt. Ah, ça c'est cuir, ok. En chitine, ça m'intéresse pas trop. Oh, ouais, je suis pas sûr que ce soit en métal. Non, ça je crois que c'est en fourrure. Ça, je sais pas en quoi c'est. Ouais, donc, ouais, dans tous les cas, j'attends de me faire une armure en métal. Alors, j'ai vu que je pouvais aussi faire des. Qu'on s'appelle des fondations en métal et des murs en métal, mais je sais pas dans quel cas ça peut être utile quoi. La vache, c'est un très très gros dauphin. Ah voilà, mon bateau est là-bas. Gay. Je suis lent. Achevez-moi. Le pire, c'est que je suis à 113 sur 120, je veux dire. Enfin, j'ai encore de la place sur moi, quoi. Ah, je suis que le niveau 33, tiens. Ne peut ni courir ni sauter. Ouais, et ni marcher normalement. Hein. Tiens, toi, là, le tricé. T'es quel level? Savoir s'il va t'arriver un accident ou pas. 4! Oh, tu vas avoir un accident, toi. Allez. Mais c'est vrai que ce jeu est magnifique, hein. Et puis au final, j'arrive à enregistrer sans trop de problèmes. Hein. J'ai plus de chute de FPS, enfin plus de grosse chute de FPS. Or, certes, je suis qu'à 30 FPS, mais 30 FPS quand je record, ça me va. Hein. Même en live, d'ailleurs, je suis à 30 FPS. Attendez. Ah. Pour pouvoir y avoir accès, vous inquiétez pas, vous allez dire quoi? Il faut que tu sautes et tout. Non, vous inquiétez pas, j'ai juste à faire. Hop. Voilà. La téléportation magique. Nickel, du coup je dois poser quelques. Voilà, ça aussi je vais le déposer, mais pas besoin. Ça fait du poids. Voilà. Toi, t'es quel level? Non, je vais pas attaquer tout ce que je vois. Hop là. Ah oui, je suis le gamade, mais bon, oubliez pas que sur YouTube, au final, l'image est beaucoup beaucoup plus sombre que sur la vidéo d'origine. Donc, avec l'image, enfin, avec l'éclairage d'origine, sûr que vous voyez rien. Donc, toi, t'es quel level? 2. Il va t'arriver un accident. Toi, t'es quel level? Je vais vous laisser tranquille. Oui, je vous laisse tranquille. Pas de soucis. Vivez en paix, soyez heureux. Ah, nickel. Alors, si je récupère de la pierre et non pas du silex, c'est quasiment sûr, c'est que c'est une veine de métal. Et métal. Du métal. Non. Ouais, et vous faites des bruits tellement flippants et il va vous arriver des accidents. Mais juste parce que vous me faites flipper en fait. Il fait froid? 11 degrés, mon perso qui dit qu'il a froid. Non mais sérieux, quelle chouchotte. En tout cas, ouais, donc c'est vraiment une zone qui regorge de métal. Et ça, c'est super cool. Donc je pense que je vais rester sur cette île un moment. Du coup. Oh, il y a un loot blanc qu'il récupérera facilement. Sauf qu'il est déjà descendu, donc le temps que j'y aille, il aura des pops. Mais cette île en soi, elle est vraiment jolie, hein. Voilà. Alors, métal, métal, métal. Là-bas, ça. Ça, je crois que c'est. Ça, je crois que c'est une veine de métal. Ouais, veine de métal. Comme dit, si j'ai de la pierre. Ah non, ah bah non, du tout. What? Arnaqueur! Oups. Bon, bah, du coup, au moins, c'est fait. Oh, vous pensez que j'ai déjà épuisé toutes les ressources de l'île? Enfin, déjà. Ça va, quoi. J'ai un bon stock. Eh ben écoutez les amis, c'est là-dessus que nous allons nous laisser donc. Oups. Oui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a. Allez, on le tente. On va se le tenter. Voilà. Donc les amis, c'est là-dessus que nous allons nous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, et puis ça permet à la chaîne de se développer, n'oubliez pas. C'est pas juste pour le plaisir de voir un milliard de pouces bleus sur une vidéo, les amis, hein, si je vous le demande, c'est bon.
permet aux gens enfin, ça me permet d'avoir plus de lisibilité, visibilité, oui, visibilité. Donc ça permet donc aux gens de mieux connaître ma chaîne, patati, patata. Et donc moi, les amis, je vous dis à très bientôt. Alors, au final, ce que j'ai décidé, c'est que cette semaine, oui, je sais, je vous dis ça le mercredi, mais cette semaine sur une semaine spéciale Arc. Hein, voilà, attendez-vous à avoir du Arc demain et après-demain, au minimum, peut-être samedi et dimanche. Dans tous les cas, des streams sur le jeu, il y en aura tous les jours. Je peux pas vous dire les heures par contre parce que c'est des heures un peu random. Soit vous me suivez sur Twitch, vous serez alerté quand j'en serai live. Soit sur Twitter où en principe il y a un message chaque fois que je live et je préviens plus ou moins à l'avance. Voilà. Donc, les amis, moi je vous dis à tant pis, très très bientôt. Salut!